Hello mes highlights, j'espère que vous allez bien. Ouh là là, au niveau de la lumière, c'est n'importe quoi. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. J'espère vraiment que vous allez bien. Mes highlights, la semaine est intense en ce moment. Mes semaines, aucune ne se ressemble. C'est très intense. Catastrophique, ça me donne les larmes. Mais c'est pas grave. Je souris parce que on vit une époque où les gens deviennent fous. Voilà mon mood, je vais vous le montrer de la semaine. Une vidéo qui m'a fait beaucoup rire cette semaine. Et c'est vraiment mon mood. En ce moment, je me dis, mais what the... J'étais au fameux mariage, je voulais vous faire un petit make-up blabla. J'étais au fameux mariage, ça s'est super bien passé. Ah là là, ça faisait longtemps que j'étais pas... qu'on n'avait pas assisté à un mariage, mon chéri et moi. Et je crois, pour ne rien vous cacher, on a dû en faire un. Non, on a fait plus des baptêmes, des choses comme ça. Mais je crois que c'est notre premier mariage en vrai. En tant que couple auquel on assiste. Et franchement, ben c'était super. On a passé des beaux moments. On était avec les copains. Majoritairement les copains du côté de mon chéri. Puisque évidemment, moi, la plupart de mes amis sont aux Antilles. Et vraiment, c'était cool. C'était trop cool. On a revu des gens qu'on n'avait pas vu depuis au moins 4 ou 5 ans. Et on se fait la réflexion. On ne va pas attendre un mariage ou un enterrement pour se voir. Ce qui est tout à fait logique. Et je pense qu'on est tous pareils. Hein. On est happés par nos petites vies respectives. Et on oublie que la vie est courte. Et que c'est important de, ben, pourquoi pas, se créer des moments conviviaux et sympas avec les gens qu'on apprécie. Parce qu'ils ne sont pas éternels comme nous-mêmes. Personne ne l'est. Et heureusement en même temps, pour qu'il y ait du renouveau sur cette planète. Mais voilà, c'était vraiment très cool. J'essaierai de vous mettre quelques clips de ce week-end passé. Et l'endroit était absolument magnifique. Je ne connaissais pas du tout là où on était. Donc c'est dans le 7-8 ou 7-7, je ne sais plus. Donc en Ile-de-France, mais voilà. Alors j'avais envie de vous faire une vidéo un peu chit-chat parce que j'en fais pas tant que ça sur ma chaîne. Et puis je ne sais pas si elle sera exclusive pour mes membres, mais c'est sûr que dorénavant mes membres ont la priorité sur toutes mes vidéos. C'est-à-dire je poste d'abord, ils ont entre 24 et 48 heures avant vous la possibilité de voir mes vidéos. Donc je vous invite à passer du côté du membre, du membership, parce que ben, vous serez informé, enfin vous aurez surtout la primeur de voir mes vidéos avant. Et certaines, je vous le précise, de mes vidéos sont réservées uniquement aux membres. Alors des fois je fais un entre-deux, je laisse un petit peu sur ma chaîne classique gratos et ensuite je passe en priorité à mes membres parce que ben voilà. C'est comme ça, ils s'investissent. Donc à moi aussi de faire la part des choses vis-à-vis d'eux. Je trouve que ma lumière est très bizarre. Je ne comprends pas. Bon bref, je vous retrouve avec le teint de fait. Alors, pour information, je vais vous parler rapidement de mon teint. Mais c'est vrai que j'applique toujours mes sprays hydratants. Donc j'ai celui-là. Là-dedans, j'ai mis celui à la noix de coco de chez Essence. J'essaierai de vous mettre l'image, pec du montage. Pense à mettre l'image du spray à la noix de coco. Donc c'est ça et ça. Plus... je mets aussi mon gel au squalane. Alors il est plus trouvable, c'est à dire que c'était des nouveautés que je vous avais montré sur Action. Il y avait trois types de crème, notamment celle-ci qui est un espèce de gel crème hydratant pour la peau, excellent pour cette période, je vous assure. En ce moment il fait chaud, quand vous appliquez ça le matin c'est revivifiant, c'est revigorant, c'est un bonheur à appliquer. Et en fait je ne le trouve plus du tout, c'est out of stock. Je sais pas si, je pense pas avoir une telle influence pour vous le montrer et faire en sorte que, mais je ne le trouve plus, ni les autres petites crèmes en squeezy tube, donc en tube comme ça. Impossible à retrouver. Si j'en retrouve, en plus il me reste ça à peu près. Ça m'a duré un bon 2 mois. 2 mois et quelques semaines. Je pense que j'ai encore pour 2-3 semaines, un peu moins. Peut-être 2 semaines et demie d'utilisation. Parce que j'en mets pas beaucoup. Hein. J'en mets vraiment une petite noisette, l'équivalent de voilà, un petit truc sur le doigt. Et j'applique. Et franchement, ça fond sur la peau. Ça fait comme de l'eau. C'est exceptionnel. Le gel est bleu. J'adore. Et enfin, j'ai sorti, et ça je l'avais déjà sorti, je vous les avais déjà montré, mais évidemment mes SPF. Donc j'ai toujours celui de chez Revuel, donc la Daily Face Cream for Normal to Dry Skin, donc la Sun Protect, qui est super. Et un peu, comment dirais-je, un peu pas difficile à appliquer, mais voilà, ça prend un petit temps quand même à appliquer. Et du coup j'avais envie de sortir une autre. J'ai pris celle au rétinol qui est en SPF
30 qui est anti-âge, donc Against Wrinkle and Saging. Donc c'est tout simplement une crème protectrice avec un SPF qui est toujours pareil hein, avec un SPF donc de 30, mais qui a ce côté tenseur. Donc j'aime bien mélanger les deux, je fais un peu mon mix and match, ça change rien, j'ai toujours une crème protectrice, j'arrive jusqu'ici. Et j'essaye aussi de vous faire une vidéo sur les self-tan que j'utilise pour ma peau noire, vous en parler un petit peu, vous dire ce que j'en pense. Alors je n'en mets pas sur mon visage, juste pour info, just for saying, je ne mets pas de self-tan sur mon visage, mais majoritairement sur mon corps jusqu'ici en fait, j'en mets jusqu'au niveau de mon cou généralement. C'est quelque chose que j'apprécie énormément et je vous en ferai une vidéo dédiée pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc je vais faire mon teint, j'ai bien préparé ma peau. J'ai bien laissé sécher, là ça fait plus de 5 minutes que tout est appliqué, tout est comme il faut. Et puis je vais vous mettre en accéléré pour mon teint et le reste. Ah oui, c'est parti. Une petite chose que j'ai acheté chez Sephofo, c'est ce produit qui est révolutionnaire pour moi. Je vous le montre de plus près, il s'agit du Inkey List, c'est ça, des Inkey List. C'est un Triptide Plumping Lip Balm. C'est tout simplement un produit qui va vraiment venir donner du plump aux lèvres. Moi ce que j'aime avec ma bouche, c'est surtout le matin quand j'ai cet effet, vous savez, bouche un petit peu qui a bien dormi, qui est bien repulpée et qui est bien, on va dire, juicy. Comme j'ai là. Là, c'est un petit peu ma bouche du matin quand je viens de me réveiller. Donc j'ai cet effet de bouche un petit peu plus pulpée, je vais le dire comme ça. Et puis au fur et à mesure de la journée, vous savez, c'est un peu comme les yeux ou le visage, ça dégonfle. Et j'arrive à avoir ce résultat-là grâce à ce produit qui est censé être appliqué 3 fois par jour et qui va vous donner un résultat durable sur un peu plus de temps, on va dire. Et c'est littéralement, pardon, un traitement qui s'applique donc 3 fois par jour, bien spécifiquement. Et moi, je le comble, je le perds avec le Lip Filler de chez Revox, qui est plutôt un Lip Augmentation non-invasive. Donc, c'est une façon de donner du plump aux lèvres sans que ce soit avec des piqûres ou autre. Ça dure assez longtemps et c'est vrai que je vois la différence sur ma bouche. J'ai beaucoup, beaucoup moins la bouche sèche et déshydratée depuis que j'applique ces produits, sans forcément appliquer du baume à lèvres derrière, parce que pour moi c'est des baumes à lèvres. Et là c'est ce que j'ai mis pour tout simplement préparer mon visage et mes lèvres en particulier. Donc j'arrête mon blabla et j'applique mon fond de teint. C'est parti. Eh ben, juste après avoir appliqué ma poudre No Sebum Mineral Pact de chez Innisfree, je me suis dit, je fais mes sourcils, donc je les ai fait toujours pareil. J'utilise ce crayon, enfin c'est pas un crayon en fait, c'est un feutre, feutre eyebrow, feutre pour sourcils de chez, j'arrive plus à parler, de chez Shiglam, que j'aime beaucoup dans la gamme Frida Kahlo, vous savez. Et j'avais pris la teinte la plus foncée et je la perds avec tout simplement mon gel à sourcils classique de chez Constance Carole, qui est bien bien entamé. Je le terminerai pas de sitôt, mais je l'utilise, c'est le seul que j'ai et que j'adore. Et après je le fixe tout simplement avec le gel de chez j'oublie le nom, vous savez, de chez NYX, voilà celui-là, le glue, je sais plus quoi. J'avais envie de vous faire un smoky marron. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire le matin parce que je trouve ça efficace et rapide. Et en ce moment, je suis à fond dans le nude. Voilà, je vais reculer, j'ai surtout levé un peu la caméra. J'ai changé un peu l'emplacement de la caméra. Avant, elle était par là, un petit peu plus à gauche. Et là, je l'ai mise par ici parce que je trouve que c'est plus efficace pour moi, en sachant que j'ai un de mes trépieds qui m'a lâché. Plus ça va et plus j'ai mes trucs qui me lâchent, laissez tomber. Bref, je vais appliquer donc ce produit avec un petit pinceau plat de chez Eggshow. Vous savez, c'était une marque que j'avais trouvée sur sur Maki Beauty et j'aime beaucoup. Et là, j'applique, je prends avec ma spatule ça parce que j'aime pas mettre mon pinceau dedans. Je trouve que c'est pas très hygiénique. Et je vous dis, hein, j'applique un peu les tips des make-up artistes et je trouve que c'est vraiment pas mal ce qu'ils proposent comme tips tout bête
pour éviter de salir ses propres produits et pouvoir les utiliser le plus longtemps possible. Donc j'ai fait mes sourcils, je viens appliquer une base marron de chez Elf qui s'appelle, comment ça s'appelle celle-là? C'est la Plateau, comme ceci. Et je viens appliquer ça sur toute ma paupière mobile. C'est vrai que le smoky marron, c'est quelque chose que j'aime particulièrement porter. Que ce soit en période estivale ou en période hivernale, c'est pas très important pour moi. L'idée, c'est que ça ait ce rendu le plus fumé possible et le plus fondu à ma carnation. Et je trouve que, vu que j'ai la peau noire, ça me correspond très bien, surtout en ce moment. J'aime vraiment porter ça régulièrement. Alors, les bases de chez Elf, là, elles sont exceptionnel, je le redis, mais ce sont des bases où quand vous les appliquez, franchement, aucun de vos fards à paupières ne va aller nulle part. C'est de la glu, littéralement. Faut pas laisser, faut pas perdre de temps non plus à les étaler, Là, je mets ce qui me reste sur mon pinceau, hop. Mais ça sèche en, 5 secondes chrono. Vraiment, ça sèche très vite. D'ailleurs, pour les conserver, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment toujours laisser votre produit tête en bas. Et ça coûte une misère. Et franchement, j'en prends un tout petit peu. Voilà, je prends ça à chaque fois. Et pour chaque paupière, et c'est largement, c'est même trop. Sincèrement, là, j'en ai appliqué beaucoup trop. Mais comme je vais faire un truc un peu dramatique, je trouve que c'est pas mal. Alors, hop. Je viens l'appliquer toujours sur ma. Vous savez, sur ça, là. Ma petite palette de make-up. Alors ces palettes en inox, moi je les avais achetées il y a un moment sur eBay. C'était en 2010 ou 2011, ça date. Hein. Elle ne m'a jamais lâché. Très bonne qualité d'inox. Alors vous les retrouvez sur Shiglam, Shein, sur n'importe quel site chinois ou asiatique. Hein. AliExpress aussi les fait. Les a fait longtemps. Il me semble même celle-là, je me demande si c'est pas plutôt AliExpress, je ne sais plus. L'une des deux, AliExpress ou Chichi, je sais plus. Donc là, je me lâche un peu, je laisse un peu déborder le. Comment dirais-je, l'application du produit. Je suis pas en train de faire un truc très propre parce que de toute façon, j'ai pas appliqué mon fond de teint et que je vais l'appliquer après. Alors, j'ai pas trop le temps de faire ça le matin, d'appliquer mon fond de teint après. Je préfère appliquer mon fond de teint avant pour comme ça, si jamais j'ai pas le temps de me faire un truc sur les yeux, au moins mon teint est fait et je peux vaquer à mes occupations de je fais autre chose quoi. Alors quand ça sèche trop comme ça, moi j'aime bien, je vais appliquer un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de fond de teint. Je prends un peu de fond de teint tout bêtement dans mon mélange à fond de teint. J'en prends vraiment à peine. Voilà, là. Et comme ça, avec les produits émollients qu'il y a dans mon fond de teint, ça va venir tout simplement donner un petit peu de gras, je vais le dire comme ça, au produit. Et si on a trop dépassé au niveau des yeux, ça vient justement réajuster tout ça avec quelque chose d'émollient. Voyez. Mais je m'embête pas, hein. Même si c'est mal fait, c'est pas grave. Là, l'idée, c'est juste de fignoler. Ce qui est déjà fait, plus ou moins, avec du produit émollient. Alors, je prépare doucement mes vacances. Cette année, vous l'aurez deviné, je pars au Portugal, si Dieu veut, si tout se passe bien. Et si tout se passe bien, on partira pas seul. Donc, je vous expliquerai. Hein. Mais si tout se passe bien, on partira pas seul. Alors généralement avec mon chéri on est très content de faire nos vacances en amoureux tous les deux. On partira pas seul parce qu'on a du monde qui va venir et ça peut être sympa. Je vous expliquerai par la suite, mais bon, là pour l'instant c'est pas encore fait, donc je ne vous en parle pas plus que ça. Voilà au niveau de la base. Je prends ce temps pour vous montrer vraiment comment je fais. Parce qu'il y en a pas mal qui me posent des questions sur voilà, Peg, comment t'appliques les produits, etc. Ben, au moins je prends ce temps-là là, pour le faire avec vous. Et souvent je commence vraiment par fumer le plus possible un produit crème et ensuite appliquer les produits poudre parce que je trouve que le rendu est vachement plus sympa. Là j'applique un fard marron quelconque.
En l'occurrence, c'est un fard de chez Inglot, mais pas besoin de vous en faire des caisses. Et je prends un pinceau de chez MAC, le 217, pour ce faire. C'est le genre aussi de make-up que j'aime bien faire quand je suis en télétravail, parce que je trouve ça easy. Et voilà quoi, si jamais on doit allumer la caméra et autres, au moins j'ai un make-up de fait. J'aime bien. Bon, c'est très rare qu'on nous demande d'allumer la caméra d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais si jamais, bon, j'ai envie de parler à une copine, peu importe, j'aime bien m'équiper. C'est ma petite coquetterie, j'ai envie de dire. Ok, je vais prendre... Donc j'ai appliqué un fard marron. Je vais prendre un fard un peu plus beige pour le mettre au niveau de mon arcade. Et je prends un fard beige très très connu de chez Makeup Geek. Celui-là, c'est celui de chez Makeup Geek. Ouais, le frappé. Ah là là, c'est un ancien celui-là. Ouais, c'est ça, Makeup Geek. Le frappé qui est magnifique. C'est un espèce de beige en rosé. Très très joli. Et juste pour venir nettoyer un peu mon arcade et mon sourcil du coup. Et atténuer un peu les bords du fard marron. Parce que même si on va faire un truc un peu smoky, je le mélange avec un autre fard un peu du même ton. J'applique pas que le frappé, puisque j'ai pris une petite palette comme ça que j'ai, et j'applique le frappé et celui-là de chez... Oh, j'oublie le nom. Visert. Regardez comment ils sont creusés mes fards. Ça va, hein, je les utilise bien. Comme je me fais toujours des palettes personnalisées et un peu à ma sauce. D'ailleurs, faudrait que je vous refasse les vidéos dupes de vibe. J'aime bien faire ça parce que ça vous évite de dépenser. Et si vous avez déjà pas mal de fards, amusez-vous à les dépoter dans des palettes différentes. Hein. Amusez-vous à les dépoter et à vous acheter une ou deux palettes, vous savez, sur à 2-3 euros. Hein. Regardez. J'ai ces palettes-là que j'ai achetées sur Shiglam Shein. Ça coûte que dalle. Vous les dépotez, vous mettez ça là-dedans. Et après, vous pouvez agencer les fards comme vous souhaitez. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Alors, j'avais une batterie. J'avais une idée de make-up, je vous disais, en regardant mes petites palettes. Notamment celle-ci. Hein. C'est vrai que je ne voulais pas remontrer, mais la Dragon Fruit palette où j'ai acheté les fards finalement. Je vous avais expliqué l'histoire, je l'avais reçue cassée, etc. Ils m'ont renvoyé la palette mais vide, c'est bouffon, enfin bref. J'ai racheté des fards, c'était pas très cher, hein. J'ai dû lâcher 50 balles pour tous les fards, donc ça va. J'en ai pas pris 3 et ils m'ont dit qu'ils allaient m'offrir les 3 lors d'une prochaine commande. Je me speed pas parce qu'en fait ils ont sorti des dingueries. Je vous en parle dans une prochaine vidéo. Et en regardant en fait mes palettes, notamment celles de chez Gloss Gods, qui sont là, j'en ai que 3 et ça me suffit très largement. J'en ai 2 nudes, donc la New Neutral et la Girl on Jupiter, qui est juste là. Et puis j'ai celle d'été hein, qui est magnifique là, Look for Rainbow, qui est magnifique. Ça c'est une dinguerie. Je l'ai beaucoup utilisée, ça se voit là. Hein. Ouais, je l'ai pas mal utilisée. Je crois que j'ai touché à tous les fards, mis à part peut-être celui... Non, bah non, il a été swatché. Non, non, ils ont tous été plus ou moins utilisés. Donc je suis assez contente, un peu moins ces deux-là. C'est ce que j'allais vous dire. Mais sinon, tous, je les aime beaucoup. C'est une palette que vraiment je ne peux que vous recommander. Et une palette de neutre efficace. La New Neutral qui est magnifique. New Neutrals, c'est ça qui est magnifique. Et surtout, surtout, en ton froid, il y a celle-ci. Voyez. Et donc j'avais envie de faire un beau smoky marron avec notamment celui-là, peut-être le combiner aussi avec quelques fards ici. Je vais voir, en tout cas je vais mélanger un petit peu tous ces fards là. C'est un petit peu mon goal là du jour, un petit peu plus utilisé. J'arrête de dire un petit peu, ça va aller. Utiliser un peu plus mes palettes un petit peu, mes palettes mates. Je vais essayer d'arrêter ce tic de langage qui m'agace. Mes palettes mat et me faire un petit kiff. Un kiff. Faut que j'arrête. Allez, je me rapproche. Et on y va. Je vais prendre un pinceau plat. Est-ce que j'ai des petits pinceaux plats? Oh, j'ai des pinceaux à laver, mon dieu. Je me rends compte que j'achète plus de pinceaux à cause de ça. Hein.
J'ai trop de pinceaux. J'essaierai de vous faire un tour un petit peu de mes pinceaux, de mes fards de manière générale pour que vous puissiez voir et comprendre l'envers du décor, n'est-ce pas? Parce que les pinceaux à laver, c'est le truc un peu chiant mais qu'il faut faire. Et c'est vrai que je m'attelle à nettoyer mes pinceaux régulièrement. Là, je vais appliquer le Center Stage et mélanger au Hypatia's Halo que je vais mettre en coin externe. Alors, ils sont un peu du même ordre que le fard marron que j'ai appliqué juste avant, mais un tout petit peu plus intense parce qu'ils ont un effet un peu vert. Ils ont un effet un peu... ils ont un sous-ton un peu vert et j'aime énormément ces fards. Je les trouve très bien, les fards mat de chez... Gloss Gods, alors j'en entends pas forcément du bien, pourtant moi je les trouve exceptionnellement bons, pigmentés comme je veux et pas une pigmentation en fait à outrance qui n'a pas lieu d'être, parce que même si on peut jouer avec les couleurs et être en mode carnavalesque, c'est vrai que moi je fais attention aussi à la santé de ma peau. Trop de pigments n'est pas forcément très bon pour la peau, donc important, d'où l'importance de mettre une bonne base à paupières hein, pour éviter ce genre de désagréments et surtout un estompage optimal, c'est quand même la base. Voilà ce que ça donne. J'ai pris un petit pinceau plat de chez Zoeva, celui-là c'est le 234, le Smoky Shader, qui ressemble au 200, d'ailleurs il ressemble au 234 de chez MAC. Je dis ça, je dis rien, je crois que c'est 234 hein, chez MAC. Et je vais prendre le Heat Factor et pas Heat Factor qui est canon. Et je vais le mettre, alors c'est un marron mais qui va avoir des sous-tons un peu verts. Ouais, il est marron vert, il est très 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 beau. C'est un joli, voilà, il a vraiment ce sous-ton vert, limite avec des reflets rosés. Il est très beau ce fard. Et c'est un de mes fards presque préférés. Si ce n'est pas mon préféré de la palette New Neutral, qui est canon. Vous voyez, il a ce côté vert marron, très beau. Il s'applique tout seul. Alors, au doigt, je vous explique même pas, parce que là, c'est vrai que j'applique. Je vais prendre au doigt comme ça, et je vais le mettre pour voir la différence. Ah, c'est pas mal. Pas trop de différence, donc ça va. Le pinceau là de chez Zoeva, il applique très très bien. C'est le 234, pour info. Celles et ceux que ça pourrait intéresser. Et il applique comme le doigt, quasiment. Même impact, même impact, même intensité, c'est ce qu'on veut. Hein. Je reprends le 217 de chez MAC pour estomper les bords. Alors, en coin interne, je vais mettre un fard que j'aime beaucoup, toujours de la palette New Neutral. Je vais appliquer le Winning Together. Winning Together, qui est un espèce de duochrome un peu cuivre. Je vais en mettre en petite touche. Winning Together. Je l'avais abîmé bêtement ce fard en vous le présentant dans une vidéo. Je ne l'ai pas trop abîmé, mais je vous montre. Un petit bout qui avait pris cher. Winning, il avait pris cher pour ce petit fard. Là je l'ai bien calé, donc ça devrait le faire. Puis moi c'est vrai que je fais attention quand même, je veux pas beaucoup de palettes pour justement ne pas me sentir overwhelmed, submergé de palettes que j'utilise pas, etc. Et je suis très 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 ravie de ma collection en ce moment. J'utilise quasiment tout régulièrement et je me fais vraiment des kiffs d'utilisation de mes produits, de palettes, de choses comme ça. Franchement j'adore. Je vais juste appliquer une petite pointe de la Girl on Jupiter. Donc c'est Girl on Jupiter. Et je vais faire un mix avec... ils sont beaux, hein, c'est phare. Avec le Eileen's Authority and Meteoric Moments. Eileen's, je pense que c'est pour Alien, mais il me semble que c'est la créatrice... pas Eileen's ou c'est peut-être quelqu'un d'autre, bon bref, je sais plus le nom de la créatrice de Gloss Gods. Oh, j'aime beaucoup. Bon, je retrouve avec l'autre œil de fée et puis juste pour vous dire, je suis venue appliquer un petit peu plus de dimension avec du noir en coin externe et j'ai pris celui de chez Natasha Denona. Franchement, je pense
honnêtement, très très honnêtement, juste après le fard de chez Inglot, qui est le mat je sais plus combien, c'est le fard noir le plus intense. Il fait partie, vous savez, de la palette Xenon, la mini, que j'avais acheté sur Vinted. D'ailleurs, là, il y a quasiment tous les fards Xenon. Et en fait, franchement, ce fard noir, c'est simple, quand je veux un smoky noir de dingue, c'est celui-là que je prends. Il m'en faut pas beaucoup et il est pigmenté sa race. Donc c'est juste pour venir appliquer un tout petit peu plus de dimension. Là, ça fait un espèce de double effet. Je crois que c'est à cause de la luminosité qu'il y a de ce côté-là, mais l'intensité est la même des deux côtés. Là, on a l'impression que non. Alors qu'en fait, si. Hein. Pour ça, je vous dis, la luminosité, elle est pourrie aujourd'hui. Je sais pas ce que c'est. Alors, c'est parti pour l'application de mon mélange à fond de teint. Alors, il est un petit peu orange en ce moment. Mais vous allez voir que quand il va... Donc je prends ma spatule, hein, vous le savez maintenant, c'est vraiment la façon la plus sympa que j'ai d'appliquer mon fond de teint. Il est un peu trop orange là pour moi, je trouve. Mais comme j'en applique en petite dose, on verra rien quand il va s'estomper. J'aime bien faire comme ça. Voilà. J'applique en petite dose. Je suis toujours pas allée voir ma dermato, j'attends avec impatience, c'est en juillet les gars. Et putain, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ouais, il est un tout petit peu trop orangé, mais normalement si tout se passe bien et que j'applique avec mon éponge. Il ne devrait pas avoir grand chose. Ça va. Non, ça va. On mélange à fond de teint. Je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps. Il faut vraiment que je vous fasse une vidéo. Il y en a d'autres qui m'ont demandé. Qu'est-ce que tu mets dans ton fond de teint pour que ce rendu soit nanan. J'ai dit écoutez, je vais vous faire une vidéo. Mais c'est vrai que dans mon mélange à fond de teint, il y a quand même beaucoup d'enluminures liquides. Donc c'est ceux-là là, que j'aime énormément. Qui sont à la fin. Hein. Vous voyez, il me reste ça. J'en mets pas mal. Je mets un peu du Estée Lauder de chez. Du Double Wear, pardon, de chez Estée Lauder. Qui est mon fond de teint favori de tous les temps. C'est simple, hein, depuis que j'ai connu ce fond de teint, j'ai quasiment plus acheté de fond de teint. Et j'en ai terminé pas mal. J'en ai terminé beaucoup, hein, des bouteilles d'Estée Lauder, mon dieu. Depuis que je suis sur YouTube, je crois que j'en suis à une vingtaine, voire une trentaine. Entre le Sandalwood, le Rich Coco, celui-là c'est lequel ? C'est le Sandalwood, celui-là. J'ai aussi le 6N... J'ai le 7W qui est vraiment celui qui est une teinte très foncée, qui est parmi les premières teintes les plus foncées. Après c'est pas du foncé foncé mais c'est le fond de teint qui me correspond le plus. Vous voyez ce que ça donne, c'est canon. Regardez-moi ce rendu. Donc là je sais que j'ai le Estée Lauder, donc le Double Wear. J'ai mis un petit peu de ces gouttes là de chez Elf, donc le Halo Glow. Je sais que j'ai mis un tout petit peu de celui-là, le Matte Velvet de chez Makeup Forever. Et en fait j'ajuste la teinte, vous voyez, pour que au niveau du rendu ce soit le plus matchy matchy possible. Et quand j'applique en fine couche, je viens estomper à l'éponge ou au pinceau, mais un pinceau... Vous voyez les pinceaux fond de teint classiques, hein. Pas le pinceau langue de chat, hein, mais les pinceaux fond de teint buffer où le pigment rentre bien dans la peau. C'est exactement ce que j'ai fait comme type de teint pour le mariage. C'était canon, ça n'a pas bougé. J'avais mis v'là la tonne de glow, ça n'a pas bougé. J'ai eu un tout petit peu de transfert, mais pas ouf. Franchement, j'étais tellement contente
Mais j'étais trop contente. Je vous l'ai dit d'ailleurs quand j'ai posté les images, les photos. J'ai posté quelques photos sur Facebook aussi, donc privé. Pour le coup, vous l'aurez pas vu. Mais vraiment, j'ai adoré le rendu du make-up. Donc voilà pour comment j'applique mon fond de teint. Je trouve que c'est la méthode la plus adaptée, on va dire, pour en ce moment. Et puis comme j'ai une peau sèche et déshydratée, c'est vrai que d'appliquer cette poudre juste avant, ça va un petit peu assécher ma peau au moment du démaquillage. Je ne vais pas vous le cacher, ça assèche un petit peu. Néanmoins, au niveau du rendu, c'est canon. J'ai un rendu semi-glowy mat qui ne transfère qu'à peine, avec un truc qui tient, mais du feu. Je me suis maquillée, il était midi quelque chose. J'ai fini de me maquiller, on va dire vers 13h. Je suis rentrée chez moi à 3h du mat. En vrai, j'ai fini la soirée, il devait être 2h du mat, le temps de rentrer à la maison, il était 3h, presque 4h, parce que la route était assez longue, on était dans, je vous ai dit, dans un endroit assez éloigné de chez nous, peut-être 8, je crois. Et vraiment, le teint était au top. Et pour mon, même mon chéri, hein, qui n'a pas l'habitude de trop, il s'en fout, il m'a dit, putain, ton make-up, il n'a pas bougé. Je lui ai dit, ah, ça fait plaisir. Il m'a dit, pas bouger, c'est un truc de ouf. Je lui ai dit, ben ouais, c'est le talent. Là, j'applique toujours, oh mon Dieu, quel bonheur de réappliquer ce... Alors, si vous êtes petit prix et que vous êtes des anciens de YouTube, vous savez à quel point ce LA Pro Conceal de chez, oh mon Dieu, LA Girl, était sur le marché et a fait fureur dans les années 2000-2010 jusqu'à 2016. Ça, c'est un oldie but goodie. Oldie but goodie, I mean... C'est tout, ce truc-là, et j'ai plaisir à le ressortir. Il y avait la teinte des blacks qui était la teinte faune et la teinte toffee. Moi, c'était la teinte toffee que je préférais, parce que la teinte faune était un peu trop jaune à mon goût. La toffee un tout petit peu plus marronnée, orangée, et c'est ce que je préfère. Ces anti-cernes, pour une peau notamment grasse, ils sont excellents. Et en vrai, ils vont à tous les types de peau. Mais ça, c'est les anti-cernes qui, pour moi... Comme j'ai pas un dessous d'œil à problème, j'ai plutôt un dessous d'œil, je vais pas dire gras, mais classique. J'ai pas de problème, je mets n'importe quel type généralement d'anti-cerne, ça passe. Mais celui-là, il ne bouge absolument pas de la journée. Je le poudre, hein, bien sûr. C'est le genre de produit que vous laissez en petite touche, vous laissez vieillir une ou deux minutes. Et après, quand vous venez estomper, il n'y a plus rien. C'est magique. Franchement, je les aime beaucoup, beaucoup. Je suis contente d'en avoir gardé un. J'en ai un ou deux dans mes affaires en backup. Et ben là, je l'ai ressorti. Vous savez, l'embout, c'était avec la petite tige. Mais moi, j'ai enlevé la tige parce qu'elle ne me sert à rien. Et je préfère l'appliquer voilà, avec l'embout classique. Je mets sur ma palette de make-up et je laisse poser. Et franchement, j'adore. Ça se fond tout seul. Alors là, il est un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu trop jaune orangé. Et ce que je fais, c'est tout con. Je reprends une petite touche de mon mélange à fond de teint. Je viens en fait l'atténuer, le mélanger. Et c'est nickel. Et je m'amuse comme ça à venir faire mon anti-cerne. Franchement, j'aime trop. J'aime trop. Mais regardez-moi ça, comment c'est bien appliqué. Ah oui, et puis là, je l'applique... Oups! Je l'applique au petit pinceau de chez toujours Zoé Eva, le buffer, le 142. C'est vraiment les pinceaux à l'ancienne, vous savez, pour l'anti-cerne. Pas besoin d'en faire des caisses. Vous appliquez juste la dose qu'il faut, comme un make-up artiste pro. Vous l'étalez bien. Je fais les ailes du nez, toujours. Un petit peu ici, un petit peu les lèvres, vite fait. Et c'est canon. J'aime trop, mais trop. C'est vraiment le rendu. Non mais regardez-moi ce teint. Idéal, je vous le dis, idéal pour une peau sèche et déshydratée. Ça, c'est vraiment le fond de teint qui va vous réconcilier avec l'été. Où vous allez vous dire, ben, j'ai mon rendu glowy, mais ça tient toute la journée. Et croyez-moi, ça va tenir. Croyez-moi que ça tient du feu. Là, c'est de la poudre hein, que j'avais avant.
Y a rien. Y a rien. C'est une merveille. Une merveille. Je vais appliquer un petit peu de contour. Alors c'est la fin, hein, je vous le dis à chaque fois, mais je vais jusqu'au bout de mes produits. Sorry. Donc je prends ça. Un petit pinceau à 1$ là de chez comment ça s'appelle, Shop Miss A. Et en fait, je l'applique pas dans le creux ici. Je l'applique juste au-dessus. Vous voyez, je vais juste au-dessus pour donner cet effet de lifté. Et en fait, quand je vais estomper, ben ça va faire comme si le creux arrive un petit peu plus haut, vous voyez? Parce que si je le mets là, j'ai le risque de faire tomber ma joue et de donner un effet ben, plus vieilli à ma peau. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, voilà. Alors, dans ça, je vais vous expliquer, il y a le reste du... C18 de chez Makeup Revolution, c'est la Matte Base Concealer, c'est la fin. Et j'ai rajouté dedans un tout petit peu de ça, de ce bronzer de chez Elf, le Luminous Putty Bronzer, comme ceci, en teinte Frequent Flyer, qui est un espèce de burgundy. Vous voyez que je l'applique pas au pinceau, hein. je prends une spatule, j'en ai pris un tout petit peu, enfin j'en ai pris pas mal. Il est un petit peu... on va dire brillant, mais à mélanger avec le C18 là, qui est quand même, qui était une teinte plutôt chaude froide, plus chaude que froide d'ailleurs, ça se voit, plus chaude que froide, ça vient vraiment donner cet effet lustré à la peau. C'est très joli. Non mais c'est magnifique, hein. Et comme quoi, hein, ça coûte que dalle. Hein. Je ne suis pas en train de vous parler de Pat McGrath, ni de Natasha Denona, ni de Marc Jacobs, ni de Dior, ni de mon cul sur la commode. Pardon, mais de toute façon, ces personnes ne nous considèrent pas peu. Bon, Pat McGrath, non. Quand même, elle fait des teintes, puisque c'est une blague quand même. Donc, elle est obligée de faire des teintes quand même foncées. Eh ben oui, ma sœur. Sinon, tu n'as rien compris. Mais dans le sens où, avec très peu, avec des produits petit prix... On peut trouver des choses pour les peaux très foncées qui fonctionnent. Je vous le redis, hein, mais je fais partie au moins des 5 teintes les plus foncées dans le spectre de teint proposé de manière générale. Je suis vraiment vers les teints foncés foncés. Je fais partie de... Ouais. Je suis parmi les 5 derniers à peu près. Bon, il y a vraiment plus foncé que moi, hein, on est d'accord, mais... Cependant, quand je bronze, j'atteins facilement les 2 voire les 3 derniers. Quand je suis bien bien black, là, j'adore. C'est la période de l'année que je préfère, l'été, juste pour ça. Pour avoir ce teint bien, bien dark, comme j'aime. Donc voilà ce que ça donne. Regardez-moi ce rendu. Je vous fais le détail là, dans cette vidéo, parce que j'éviterai de le faire pour les prochaines. Déjà parce que ça, ça va se finir, clairement. Et que ben, j'aurai d'autres produits peut-être à vous montrer. Mais c'est juste pour vous montrer vraiment l'application de tout ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais? En ce moment, j'ai ça. Mais j'ai aussi mon tagine qu'on m'a ramené du Maroc. Je suis trop contente. C'est ma copine Naïma qui m'a ramené ça. Et je l'avais essayé sur les lèvres. Bof bof. Plutôt pas mal, mais bof bof. Par contre, sur les joues... Je vous montre. Je suis obligée de vous montrer. Je prends toujours le spray coco de chez... vous savez d'où? De chez Essence. Je prends ça. Je prends un petit pinceau. Alors, c'était celui-là que j'avais pris. Je tapote. Regardez comment le pinceau va devenir rouge. C'est du blush. Déjà, hyper vegan. Hein, on est d'accord, c'est complètement vegan. Cruelty free, j'espère. Je sais pas, mais vegan, ça c'est sûr. Mais regardez-moi ce pigment. J'ai un pigment pour la vie. Je n'ai pas besoin. Regardez-moi cette merveille. Non mais. Non mais. Ça se démaquille très bien. Vraiment, ça se démaquille très très bien. Alors, évidemment, si vous voulez vraiment un make-up genre été, hyper peau.
Sans fond de teint, vous pouvez très bien l'appliquer. Je pense que c'est pas gênant du tout. Mais le pigment, les gars. Alors, il s'estompe. Il s'estompe bien, en plus. Il s'estompe joliment. Sur une peau foncée comme la mienne, c'est très très beau. Waouh. Non mais waouh. Voilà, c'est vraiment mon blush du moment. Canon, canon, canon. Je vais appliquer ma poudre, vous montrer l'highlighter. Parce que je pense pas que j'appliquerai plus de blush. Habituellement, je me fais encore un petit mix avec toujours ce rouge à lèvres Peripera, vous savez, de la marque asiatique. La teinte, c'est Sell Out Red, que je viens appliquer par-dessus. Mais là, je sais pas si j'ai envie de le faire. Ouais, je vais le faire. Allez, je m'applique un tout petit peu. Tout petit peu, juste. Tout petit peu. Peggy, toujours dans le un petit peu plus. J'en ai vraiment mis très peu là, j'en ai mis vraiment 2-3 gouttes histoire de dire. C'est juste pour hop hop. Juste pour dire que j'utilise mon produit. On va dire ça. Ouh. Et ça c'est un pinceau de chez Shiglam que j'ai trouvé. Magnifique. Magnifique. Non mais magnifique. On va me demander quel est mon blush. Et je vais dire. C'est un truc du Maroc qui coûte que dalle et qui est canon. Demande à une copine marocaine de t'en ramener un. Ça s'appelle un truc tagine, un rouge à lèvres tagine. C'est trop bien. Allez, je me poudre la tronche et ensuite je poudre dessous d'œil. Alors pareil pour les poudres, j'ai récupéré mes poudres de chez Shiglam que j'avais achetées. Dans les teintes les plus foncées là. Et j'ai mélangé avec la poudre mangue à la mangue de chez comment ça s'appelle, de chez Action. Ça donne un petit effet. C'est un petit peu jaune. Là vous avez l'impression qu'il y a une différence. Alors que dans le réel pas du tout. Je pense que c'est les éclairages qui me faussent tout. Je vais essayer de changer l'éclairage de celui là bon, hop 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 hop. Non, peut-être que vous voyez rien. C'est peut-être moi qui lui fais une fixette. Donc, je poudre vraiment simplement le front, le nez. Et on va venir appliquer de toute façon dans le lumineur. Sur les joues, voilà, je poudre comme ça. Vous m'avez vu le faire d'ailleurs, hein, dans les... Parce que je vous ai fait 2-3 vidéos sur TikTok et Insta, en réel. J'aime bien, juste pour le fun, remettre du sheet. Alors, j'applique celui... Alors, celui-là, il est génial. Celui que j'ai appliqué pour le mariage, c'est du 16h Long Lasting de chez Shiglam. Ça coûte 3€ ou 4€. Peut-être 5€, je sais plus, c'est pas très cher. Et alors, ce truc, mais est une tuerie, regardez-moi. Vous avez vu la brume? La brume est géniale. La brume est juste au top. Et ça tient toute la journée. Alors, je remets du. Vous savez, celui à la noix de coco là de chez Essence. Alors habituellement je le mets pas là parce que je mets d'abord, vous savez, le bronzer. Parce que j'ai pas mis de bronzer les gars, j'ai mis juste mon bronzer crème. Mais je viens toujours fixer le tout avec un bronzer poudre. Moi un bronzer poudre, j'applique beaucoup ceux de chez NYX. Ces deux là qui sont super, c'est ceux là que j'ai mis pour le mariage. Mais j'ai envie d'utiliser aussi ceux que j'ai depuis un petit moment et qui sont dans mes affaires. Les Make-up Revolution que j'aime beaucoup, je vous en parle pas plus que ça, mais je les adore. Hop, petit pinceau duo fibre que j'ai bien imprégné. Vous voyez comment je l'applique en petite touche ici. Hein. Je viens vraiment dans la partie du creux. Voilà. Je fais un petit peu la partie de mon nez, vite fait. J'en fais pas de tonnes. Hein. J'en ai mis un tout petit peu trop d'ailleurs.
Je vais venir de toute façon enluminer tout ça après. Donc c'est pas grave si je me suis foiré. J'aime trop. Ok. L'enlumineur, en ce moment, j'ai ressorti cette merveille, le Bronze Glow et le Kiko. C'est un peu mes incontournables, je vais pas vous mentir, en termes de glow. Ce sont mes incontournables du moment. Je les applique et systématiquement, je vous jure, hein, on me dit, oh là là, qu'est-ce que t'as sur la peau, c'est trop beau. Donc là, j'ai commencé par celui de chez Kiko. Vous savez, dans la gamme The Fruit quelque chose. Et j'applique un tout petit peu du Bronze Glow. Alors je sais, hein, pour beaucoup de personnes, c'est trop. Je m'en fous. J'ai envie de vous dire, je m'en fous. Moi, j'aime briller. Comme je vous dis, à chaque fois, j'aime briller. Et oui, je porte ça régulièrement pour aller travailler. Je m'en fous de passer pour une folle trop maquillée ou un clown. Je fais même, puisque je suis formatrice aussi à côté, j'ai que des compliments de mes stagiaires à chaque fois. Oh là là, j'aime trop votre clown, mes barbes et tout. Et on vient estomper avec le pinceau. Estompe vite fait. Hein. Et alors, concernant mes lèvres. Alors, j'ai un combo lèvres qui m'a valu énormément de compliments. Que je vais vous refaire aujourd'hui, c'est celui que je portais pour le mariage. J'en ai plusieurs, mais je vais vous faire celui que j'ai porté pour le mariage. Mais bear with me, c'est l'un de mes préférés. Mais pas mon préféré, l'un de mes préférés. Pourquoi? Parce qu'il est facile. Je voulais pas me faire des lèvres rouges ou trop compliquées, surtout qu'à un mariage on mange, on boit, on parle. Donc je voulais que ce soit un truc tac tac, j'applique, je me remets un petit coup et c'est fini. J'applique ce crayon de chez Rare Beauty. Je l'avais reçu donc dans la commande, vous savez qu'ils m'ont remboursé là, et franchement je suis épatée. C'est le Strong, donc c'est un marron chocolat un petit peu rouge qui est magnifique. Alors comme d'hab, hein, j'overline un peu mes lèvres parce que j'adore ça et que ça me plaît tout simplement. Et franchement, même mon chéri m'a dit j'aime beaucoup ta bouche, c'est canon. Puisqu'il aime bien le côté nude et tout. Il aime bien aussi quand je mets du rouge. Le seul truc c'est qu'il aime quand c'est non transférable. Comme tous les. Comme beaucoup de garçons, je vais dire comme ça, qui font des bisous. Hein. Donc, hop. Et là, vous avez deux options. Soit. Alors c'est celui que j'ai fait moi beaucoup après dans la soirée. Je vais vous montrer. Soit cette teinte là, c'est le Amor Liquid Gloss. Vous savez dans la collection Amber Rose là, de chez Shiglam. Ça j'ai adoré. Ou alors vous avez toujours de chez Shiglam les... j'arrive plus. Les Lip Plumper en teinte Walk on the Beach. Qui est un espèce de beige magnifique. Comme ça-ci. Celui-là, c'est celui que j'ai mis vraiment, les premières photos que vous avez vues, c'est celui-là que je portais. Et vous avez le Hot Cocoa ou le Mahogany Magic, qui sont tout aussi beaux. Mahogany Magic, il est un petit peu plus marron. Et je vais mettre le Mahogany Magic pour vous montrer. Voilà. Il ressemble d'ailleurs un peu au Amor Gloss, là. Très, très beau. Alors attention quand vous pompez, hein, vous pouvez pas les re-rentrer, donc vous devez utiliser, vous appuyez une fois ou deux, ça suffit largement.
J'en ai terminé un. C'est vous dire. Ouais, j'ai fini un Mahogany Magic. Et c'est pour ça que je l'ai acheté en double. Je vous montre globalement le rendu. Hein. Voilà, on est sur des lèvres nude comme ça. Canon, facile à porter, magnifique pour une mariée, justement. Une mariée, elle porte ça, c'est canon, ça passe. Elle peut faire des bisous à son chéri. Il en aura un tout petit peu, hein, mais c'est neutre, ça marque pas trop. Magnifique. Et un autre nude que j'apprécie et j'essaierai de vous faire des combos lièvres nude, c'est le Muse de chez Lidl Bridge. Et celui-là, il m'a valu mais des compliments. Hier, je me suis fait ce make-up. J'ai fait pas le même make-up, j'ai fait un truc un peu smoky. Et j'avais ça. Ah ben d'ailleurs, je vous ai fait un short avec le combo. J'ai mis le marron. Donc pas un crayon, pas le crayon marron de chez Rare Beauty, j'ai pris un liquide lipstick marron, j'ai mis ça, je suis venue estomper, c'est magnifique. Donc celui-là c'est le Muse de chez Liz Eldridge, c'est magnifique avec un joli contour, ça déchire tout. Ça, et j'ai beaucoup aussi utilisé le Velvet Blush, je vais vous le montrer tout de suite. Lui, je l'ai saigné. Alors, le Velvet Blush, on est sur un vrai rose froid, un petit peu parme. Il a des légers sous-tons violacés. C'est magnifique sur une peau noire, je vous le dis. C'est magnifique. Un contour marron, marron chaud de préférence. C'est canon. Celui-là, je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est vraiment mes nudes pref. Bon, je vous ai fait une petite focale, mais voilà, mes nudes pref avec aussi d'autres. J'essaierai de vous faire, dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo sur les nudes que je porte et qui me correspondent le mieux. Je vous ferai une vidéo avec grand plaisir, je pourrai m'amuser à les appliquer en vidéo et voilà. Alors, je vais faire mes points de beauté, on se retrouve juste après. Ça y est, voici pour cette vidéo chit-chat getting ready with me. Je suis venue faire mes points de beauté. Alors, mes points de beauté, celle qui me pose la question, non, je ne fais pas de tâches de rousseur, je viens juste renforcer des points de beauté que j'ai déjà sur la face. En fait, je viens pas les créer, ils sont déjà là, d'accord? Donc, j'utilise souvent les petits liners de chez Essence qui sont très bien. J'ai le marron, j'ai les deux noirs, donc le noir waterproof et le noir classique. C'est vraiment mes number one. Et quand je fais un make-up un peu chaud comme ça, marronné, j'applique tout simplement le marron qui est largement suffisant pour venir renforcer mes points de beauté. J'aime trop le rendu du make-up. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi aussi ce que vous pensez de cette version blush en tagine make-up. Vraiment, si vous avez des amis ou vous partez au Maroc ou vous partez dans les pays d'Orient et que vous cherchez, ça s'appelle un tagine rouge à lèvres. Vous les trouvez apparemment facilement sur les marchés et je suis trop contente. Parce que, regardez-moi ce... Non mais ce blush, c'est que ça. Le blush est magnifique, il prend la place et il vient habiller mon teint. Je trouve que c'est canonissime. Regardez-moi cette merveille. J'arrête pas de sourire comme une bouffonne. Bref, voici pour ce make-up. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à rejoindre la communauté des membres, à liker, à dislike, peu importe, je prends tout. Et j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine. Normalement, aujourd'hui, je devrais vous filmer quelques vidéos. Je devrais vous filmer quelques vidéos, donc vous me verrez peut-être, c'est pas sûr à 100%, avec la même tête, mais je reprends les vidéos. De toute façon, je les avais jamais perdues, hein. C'est juste que le temps du montage, mes semaines, etc. Vous savez déjà, on est surbooké, on n'en peut plus. Je vous embrasse très fort toutes et tous. N'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube et on se retrouve dans une prochaine. Salut !